On court tous après le succès, mais il est réservé à l'élite. On court toujours, mais sans succès, alors face à la défaite, on médite. On court après nos rêves, on fuit nos problèmes. On court sans cesse, sans trêve, mais des obstacles nous gênent. On court dans un triathlon épuisant. On commence sur quelques poussées, sur la ligne de départ, à quatre pattes ou en rampant. On termine cette course sur trois, épuisé. On court à travers la vie, ou est-ce la vie qui court à travers nous? On court jusqu'à plus envie, les pieds liés par le mental, on court même sur nos genoux. On court sans savoir pourquoi, accompagné de multiples questions, on court bêtement, juste comme ça. Est-ce normal de n'avoir aucune ambition? Et là je parle à ma jeunesse qui court à peine et de celle qui reste figée. La jeunesse, observez les chrysanthèmes et apprenez de vos aînés, de ceux qui ont fini médaillés d'or, qu'ils vous servent d'exemple. Voyez pourquoi ils sont morts, pour votre liberté, pour Dieu et ses temples, pour que tous dans ce triathlon aient les mêmes chances. Ils coururent armés de plomb et de savoir, armés de mots tranchants et de lances. Ils coururent contre l'absolu du pouvoir. On court tous, peu importe l'âge. J'avais dit qu'on commençait à quatre pattes. On court depuis bien avant le Moyen-Âge, depuis que le soleil nous tape, depuis que l'homme est homme, depuis que la femme enceinte nous courut sortie du sol, en espérant y laisser notre empreinte.